va revoir les buts de cette partie. Là, ça allait très très vite entre Wendel et Chamakh. Oui, Antoine a exprimé petite le faute fait d'inattention. Que... hein. Oui, au départ, mais je pense pas que Chamakh soit hors jeu. Par contre, il peut y avoir un regret sur la faute au départ, après le deuxième. Non, non, il n'y avait pas hors jeu avec Pujol, très excentré, qui égalise là juste avant de rentrer au vestiaire. Ouais, match but important, un moment important, frappe en pivot, coup de pied très tendu qui permet pas à Valverde de repousser le ballon. Et là, on venait de reprendre cette deuxième période. Et le cadeau de la défense de Valenciennes. Ben, la classique sur les équipes mal classées. Saez qui dévie le ballon au départ. Abardonado qui ne peut pas la renvoyer. Allez. Et puis un Chip and Dale. On va se quitter sur cette image et sur ce striptease de Johan Gourcuff. On va remercier Gaëtan Huard qui était au bord du terrain pour les interviews. Frédéric Hans, merci. Pour Gaëtan, votre femme a récupéré les clés. Oui, 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 ça va. On est rassurés. Au moins, on sait qu'elle rentre à la maison. Oui, oui, ouais. Il y a le bébé avec. Le striptease qui nous fait parler, d'accord. Bon, bah, très bien. Les applaudissements aux deux équipes. On a vécu une belle soirée. Ouais. Merci à tous les techniciens de chez Visuel. On vous souhaite une belle fin de soirée sur Canal. Le week-end ne fait que commencer. Beaucoup de matchs. 23h demain, c'est jour de foot avec Christophe Josse. Et pour la suite des programmes, prenez votre petit programme. Il y a plein de belles choses ce week-end, notamment au niveau football. Salut à tous, bonne fin de soirée à la réalisation. Ce soir, c'était Bruno Hulin. Bonne fin de soirée, ciao. Bye bye.